Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA. Attendez, je viens de capter un truc. C'est la dernière vidéo sur FIFA 20. Eh bien, on se retrouve pour la dernière vidéo sur FIFA 20. Je sais pas, le fait de dire la dernière vidéo sur FIFA 20, moi ça me fait rien du tout. J'en ai rien à faire. Ce que je vous ai pas dit là, c'est que la dinguerie, c'est qu'aujourd'hui, c'est un défi FIFA. Et une nouvelle dinguerie, c'est que j'ai arrêté de les compter en fait. Je me suis dit que c'était mieux comme ça. La raison pour laquelle je fais un défi aujourd'hui est très très simple. Depuis quelques mois, je fais des lives sur Twitch tous les jeudis de 17h30 à 20h30. Venez me follow bien sûr. Et j'avais dit que si on arrivait à 50 subs, je ferais un nouveau défi FIFA sur cette chaîne. Et vous avez dépassé cette barre de 50 subs en un mois, ce qui est absolument incroyable. Et donc, vous avez gagné. Un défi FIFA, bravo. Et juste avant de commencer ce défi, je voulais vous partager un truc hyper important. C'est-à-dire que j'ai trouvé le moyen de passer en division 1 directement sur FIFA 21. C'est un peu un glitch, donc il faut en profiter bien sûr. Pour ça, il suffit de prendre son téléphone, d'aller sur l'App Store ou le Play Store bien sûr, et de télécharger l'application OneFootball. Alors, l'avantage c'est que cette application est gratuite. Le désavantage c'est qu'effectivement elle ne vous permettra pas de passer division 1 du premier coup sur FIFA 21. OneFootball qui sponsorise à nouveau cette vidéo est l'application de foot numéro 1 mondial. Vous avez accès sur cette application à toutes les actualités du football, vous avez des articles, vous avez des vidéos, vous avez les détails des matchs, des compétitions, c'est-à-dire que vous pouvez regarder par exemple ce qui s'est passé en Ligue 1, vous pouvez regarder le calendrier, le classement, etc. Il y a vraiment tout. Donc là, vous avez vraiment des statistiques précises, des résumés détaillés des matchs. Et maintenant, ils arrivent même à diffuser certains matchs de coupe européenne. Et tu peux les regarder en direct, gratuitement, sur l'application. Moi, ce que je préfère, c'est de pouvoir choisir ton équipe favorite, tes joueurs favoris, tes compétitions favorites. Comme ça, tu as des notifications qui viennent à chaque fois qu'il se passe quelque chose avec ce que toi, tu as sélectionné. Donc vraiment, n'attendez pas. Ça va vous servir forcément si vous aimez le foot. Et en plus, ça va soutenir la chaîne. Donc téléchargez dès maintenant l'application OneFootball en cliquant sur le lien dans la description. Bon, on est parti. Ce que je dois donc faire aujourd'hui, c'est que je vais jouer un match tout simplement en ligne. Donc là, on est en division 6. Voilà. C'est ni trop bas, ni trop haut. On peut peut-être réussir à faire quelque chose. Sauf que, à chaque fois que je vais inscrire un but, je vais devoir changer une commande. Sauf qu'à chaque fois que tu changes une touche, en fait, t'en changes deux parce que tu les as intervertis, t'as compris? Donc voilà, si on arrive à gagner un match après avoir changé 5 touches, ce sera un miracle parce que là, déjà, vous voyez que je vais me prendre un but sans avoir changé aucune touche. Pardon, non mais en fait j'étais déjà je suis pas d'accord. Donc là j'ai fait vraiment une passe en retrait, le mec a taclé, il a mis les... Ah parce que j'ai taclé mon goal. Faut vraiment que je me calme avec ces tacles là, ça me rend fou. Tous mes joueurs, dès que je contrôle les joueurs, ils deviennent fous tout simplement là, ils font n'importe quoi. Hop là, bam. Pourquoi ils tirent pas? Là vraiment c'est le genre de truc qui me donne envie, genre juste de poser la manette, de prendre le jeu, de le détruire tout simplement. Ah pourquoi tout simplement, vraiment franchement, donnez-moi une seule raison, à part le script hein, bien sûr, pourquoi le joueur ne cadre pas cette frappe alors qu'il est à absolument 2 mètres, qu'il n'y a aucun joueur qui le presse. Et là vraiment il tire dans le sol le mec, il arrache le gazon quoi. En plus il manque de respect à la pelouse, c'est un scandale, il y a des jardiniers qui bossent pour ça. Hein. Tiens voilà, toi tu vas rester là, ouais ouais non mais par contre, des FIFA ou pas, moi maintenant vous savez très bien que je tacle tout le temps. C'est juste un jeu de technique défensive. Allez Bobo, vas-y Salah. Et c'est joli, et c'est la trace de Salah. T'as la trace du Roi au Parc Astérix, t'as la trace de Salah ici au Santiago Bernabéu, et c'est le goal. On va changer la touche de passe avec la touche de changement de joueur. Mais ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, mais ce jeu de... Je me calme tout de suite, hey, c'est pas grave, hey, après tout c'est la dernière vidéo sur FIFA 20. Non, par contre toi tu vas te calmer tout de suite, voilà, hop là. Je vais en profiter, écoutez, pour remettre un but juste avant. Comme ça au pire je changerai deux commandes d'un coup. Mais c'est pas grave, au moins il va se calmer un petit peu. Vous voyez ça avec Henderson, parce que là je le trouve un petit peu surexcité là, comme une puce là. Il est comme une puce. Hop là, tac, allez, c'est réglé, deux buts. Alors là je l'ai enchaîné. Un scandale ce que tu viens de lui mettre là, merci Salah. Allez, donc là on doit changer deux touches. J'inverse l'accélération avec la protection du ballon, let's go. Mais ça n'a pas enregistré, ça n'a pas toujours pas enregistré. Ok bah je vais remettre un but puisque c'est comme ça. Non parce que là franchement il commence à m'agacer, ça fait deux fois. Je vais quand même pas remettre un but, vraiment, ce serait un scandale. Je peux plus faire de pause pour faire de changement. Bon bah ok, du coup je suis obligé d'attendre la mi-temps. Hop, laisse filer, voilà, bien vu. Mohamed Salah, petit geste technique, hop là dans l'axe. Oui, tu talonnes, tu prolonges, la passe en profondeur. Oh là là, mais... Oh là 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 là, mais c'est Brasil là, Souba Café ou... Attention à toi, mais c'est pas possible là, vraiment. En fait, tu veux que je te batte, là ça devient agaçant en fait. Fais un effort là, fais un effort. C'est pas possible, 4-1. Donc là, j'ai 4 commandes à changer à la mi-temps. Ah bah c'est le rush kit en fait. Voilà, nickel. Bon bah je n'ai rien fait, je n'ai rien modifié, c'était vraiment... En fait c'était un match, voilà. Et bien pour le deuxième match du coup, je vais commencer directement avec 4 commandes inversées. Ok, donc maintenant je vais devoir tirer avec carré, faire une passe en profondeur avec rond, changer de joueur avec croix, faire une passe avec L1 et faire un centre avec triangle, accélérer avec L2 et tacler avec R1. Donc là on a mis 4-1, on va passer d'un 4-1 à je n'arrive même plus à faire une seule passe. Il y a quand même un souci, c'est que sur FIFA 20 il y a une commande que j'aimerais bien changer, malheureusement je peux pas le faire et il y a que vous qui pouvez le faire. C'est-à-dire que c'est une commande, c'est un gros bouton rouge au-dessus, il y a marqué s'abonner. Il faut cliquer dessus pour la changer, ça se trouve juste en dessous de la vidéo et ça il y a que vous qui pouvez le faire bien sûr. En gros tu t'abonnes. Merci. Hop là. Oh c'est pas mal ça. Tac. Attends, un passe en profondeur c'est quoi? Ah ça c'était le tir.
Hop là, bah voilà. Là, j'ai trouvé la touche de tac, c'est déjà pas mal. C'est le plus important. C'est quoi la touche pour faire ça? Ok, c'est pas ce que je voulais faire. C'était pas non plus ce que je voulais faire. Tac, tac, c'est bien joué. Allez. Oui, c'est joli. Allez, t'es parti, mon gars. T'es parti, mon gars. Frappe! Goal, 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 goal! On a marqué tout en haut fort. Oh, frappe! Le mec, il a mis un arrêt, c'est pas possible à cette distance, c'est pas possible d'avoir ce réflexe là. Et on laisse filer. Oh là 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 là. Oh là 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 là, mais ça ne s'arrête plus. Dans l'axe, la frappe. C'est pas possible, ça ne rentre pas, voyons. Je propose qu'on porte plainte accessoirement. Voilà, le mec te fait une frappe en pivot en pleine lucarne, y'a pas de soucis, vraiment. On accepte, on est bon joueur. J'espère que tu vas mourir. Hop là. Et allez, il est parti. Allez, garçon, vas-y, trace. Et j'ai dit trace. Enfin, ne trace pas comme un camion. Oh. Oh, il a pris la tempête! Oh là là, je suis désolé, mon ami! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Il y avait pas enjeu, mais le gardien arrête! Non, mais là, c'est un délire qui est pas but! Un délire, les amis! Tiens, mange! Allez, la voltige! Il y a intérêt à ce que je gagne ce match, par contre, hein! Oh! Roberto Firmino! Geste technique de Roberto Firmino! La passe de Roberto Firmino! La passe à Sadio Mané! La passe de Mané! La... Pourquoi il fait ça? Mais j'en ai marre de ce jeu, c'est pas possible! Allez là, trace! Y'a faute! Bah si, mange-moi la tête, y'aura pas faute non plus! Mais en plus, y'a même pas de prolongation parce que y'a qu'un seul mode de jeu en ligne, ce n'est pas amusant! Nous ne nous amusons pas! Fin de frappe! Non, là par contre, ça je ne sais pas faire. Là, faut que je me calme. Là par contre, une combinaison de deux touches, je ne suis pas encore à ce stade là. Oh joli! Attends, je vais encore inverser les commandes, y'a pas de soucis. Ça devient trop facile pour nous là. Qu'est-ce que vous voulez que j'inverse maintenant? Oh, attends, j'ai une excellente idée. Je pourrais déplacer mes joueurs uniquement avec les flèches de la manette. Oh, ça c'est si bizarre par contre. Ah, c'est très chou, j'ai l'impression de retourner sur la PS1 là. Ça par contre, ça c'est un truc qui fait mal, un changement qui fait assez mal. Le truc c'est qu'avant sur la PS1, t'avais besoin que des 4 flèches parce que t'allais que dans 4 directions. T'avais pas besoin de faire des diagonales et trucs comme ça, t'sais. Enfin, pas autant que là. Là, tu peux vraiment te déplacer à peu près partout. On récupère? Mais oui, on récupère en plus. Moi, mettre ça là, tac, dans l'axe. Bien joué. Hop là, tac, tac, Mohamed Salah, hop, hop, la passe, la frappe, oh! Goal, plein du cas! Ouh là là, il est sous assistance respiratoire là. Là, il vient de choper le Covid là. Ça fait hyper mal au poussant le tacle, excellent. Non, mais monsieur l'arbitre. Eh, on avait discuté, on avait dit quoi avant le match, monsieur l'arbitre là? Oh! Racisme mono! Bah, il va tirer à gauche de toute façon, c'est hyper vide. Non mais si à la fin du monde dans 50 ans, faudra pas s'étonner hein. C'est juste que c'est la balle de Sergio Ramos qui sera entrée en orbite, aura fait 600 fois le tour de l'atmosphère et sera redescendue à une vitesse incroyable. On va se la prendre en pleine face, on va tous crever hein. C'est vraiment le pénalty le plus rentable, je sais même pas si je me suis pris un carton jaune dans l'histoire. Oh, ça c'est bien joué. Oh là 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 là, mais là en plus il y a faute. Allez, gros centre. Allez, Van Dijk. Boum, goal, barre transversale rentrant de Virgil Van Dijk. Van Dijk, bam, la disque est sous la barre. 3-0 avec 6 commandes en moins, mais là il y a vraiment aucun respect. C'est une des premières fois qu'un défi se passe bien. Là c'est chaud pour moi, mais non, parce que j'ai la touche de tacle bien sûr. Tiens, tu veux la balle? Ah bah oui, bah tiens, tu préfères te plaindre de l'arbitrage. Oh non, pas le 3-1, ce serait dommage, ça salirait un petit peu le tableau. Bon, normalement, si on suit les scripts de FIFA, on est obligé de se faire égaliser dans les dernières minutes, hein, évidemment. Là, il y a 3-2, il reste que 4 minutes, c'est sûr qu'il va marquer. Là, en vrai, il peut tirer à peu près n'importe où, ça devrait rentrer. Là, tu vois, il va tirer, c'est bon. Voilà, c'était sûr. Là, quand il reste 4 minutes comme ça, qu'il n'y a qu'un seul but d'écart, tu peux tirer, ça rentrera forcément. Bon, là, par contre, j'ai gagné 3-0, je me suis fait remonter 3-3, j'ai très très mal. Ok, quoi qu'il arrive, ce sera l'ultime partie. La victoire est au bout du fusil, les amis. Hop là, il est parti. Allez, je sais pas quoi faire. Frappe, bam! Frappe! Goal! Petit filet, Sadio Mané! Oh là, par contre, là, je suis mort. Bah oui, bien sûr, la défense qui fait le pas en arrière. Oh là 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 là. Le pas en arrière de la défense. Donc là, je vous mets le ralenti de ce qu'il a fait. Que le défenseur fait le pas en arrière vraiment juste pour laisser le champ à l'attaquant. Et vous allez voir que c'est un scandale. Attends, là, je suis déjà pris des buts. Le gars, c'est ton dernier défenseur, tu le contrôles même pas et il te fume ton action. Joli. Encore. La frappe. Boum! Salah, quel enchaînement de passes! Oh là là, il a rien vu! Oh là là, il joue sale! Oh, et ça rentre, mais c'est pas possible, point favorable! Non! Tiens, mange ta roulette celle-là, elle était juste gratuite. Que je marque ou pas, j'ai rien à faire, au moins t'as mangé une roulette. Voilà, il y a faute, carton rouge là. Et voilà, carton rouge! Vas-y, mais trace Mané, vas-y, fais comme lui là, ne le respecte pas!
ne le respecte pas. Ne le respecte pas. 3 partout, égalisation. Voilà. C'est ça le pire dans ce jeu, c'est que plus tu joues mal et plus tu marques. C'est moche de marquer comme ça, c'est nul, c'est pourri. Ça là qui est passé. Ça là qui est passé. Ça là. Tout en haut. Il l'a vu. La frappe directe. Pouah, ça passe dessus. Il fallait tenter la frappe directe. C'était le beau jeu. Bon, en tout cas, je trouve que pour finir, c'est vraiment parfait. C'est vrai que terminer FIFA 20 sur une note absolument scandaleuse, finalement, ça reflète bien ce qui s'est passé cette année. Bon, c'est toi si tu aimes le football et les tacles, bien sûr. N'hésite pas à cliquer juste ici pour une vidéo absolument incroyable si tu ne l'as pas encore déjà vue. Où je dois me prendre 100 cartons rouges en une heure de jeu. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la première vidéo sur FIFA 21 avec une énorme surprise. Donc, on se retrouve samedi prochain 10h30 pour la prochaine vidéo. À bientôt tout le monde. Bye.